Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un partenariat avec OneDaySaving.com qui m'ont contacté voilà, pour un partenariat. Alors ici ça va être Diamond Painting, mais ils font aussi de la peinture par numéro et du point de croix, de ce que j'ai vu, oui. Voilà. Donc, alors attendez, j'ai mon petit papier pour me rappeler de tout. Donc, je vais vous donner les prix au fur et à mesure, mais les prix sont en dollars, parce que ce n'est pas marqué en euros, en dollars, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la conversion. Voilà, donc on va commencer. Donc, j'ai déjà enlevé le gros plastique. Pour éviter de vous casser les oreilles. Donc j'ai pris déjà pour commencer deux marque-pages. Je cherche l'ouverture. Voilà. Alors j'ai pris un marque-page ce qui représente un arbre, voilà, et dans ce kit vous avez comme d'habitude le petit stylet, la petite coupelle, la petite gomme pour coller vos perles. Ce sont des perles rondes et brillantes, celles-ci, voilà. Donc je vous ferai une autre vidéo de démonstration, et ici c'est un petit pompon pour accrocher à votre marque-page quand il sera terminé, mais on peut ici aussi y mettre d'autres breloques. Donc voilà, donc ensuite j'ai pris un deuxième marque-page. Alors, j'ai pris des marque-pages parce que c'est rapide à faire. Voilà. Pour démontrer, enfin pour vous montrer, c'est plus facile aussi. Bon, après, je ne suis pas certaine que ça vous intéresse énormément parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Mais bon, moi, on me propose un partenariat. Du coup, bah, j'ai accepté parce que moi, ça me permet, voilà. Va pas se cacher, hein, un titre gratuit de faire des activités manuelles. Donc ici on a également un joli breloque, on va dire un petit ciseau, ou plutôt un grand. Donc et comme ceci, les tons marron. Alors là ça rend pas grand chose, je dirais même que c'est ça rend pas terrible, hein, comme ça, mais quand on le voit fait sur le site, je trouve qu'il rend vraiment il rend très très joli. Donc toujours dans le kit, le petit plateau avec ah, ici on a la pince à épiler que je n'avais pas dans l'autre, donc ça c'est aussi pratique, le stylet, la petite gomme. Et là, ce sont des perles carrées. Voilà. Donc, ah bah si, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le marque-page arbre, il est à 4,21 $. Que celui du tigre, il est à 4,57 $. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence en euros. Hein, donc, ça fait peut-être dans les 4 euros, peut-être 30, je ne sais pas. Je crois que c'est un petit peu moins quand on convertit en euros. Voilà, et ici j'ai choisi un plus grand diamond painting. Alors moi j'aime beaucoup faire le diamond painting, après j'aime pas spécialement enfin les accrocher chez moi. Donc là j'ai choisi un diamond painting, je sais pas si je dois le dire, parce que si elle passe par là pour le coup elle va le savoir. Donc je vais pas le dire, je vais pas dire pour qui c'est. Mais voilà, je lui ferai ce diamond painting parce que je sais qu'elle aime beaucoup
Harry Potter. Donc j'ai choisi celui-ci en 30 par 40. Donc je sais que Sonia a aussi fait ce partenariat et elle disait que là, en fait, oui, votre toile en diamond painting, elle ne fait ici que 24,5 au lieu de 30 par 34,5 au lieu de 40. Donc il faut vous attendre à, quand vous choisissez par exemple du 30 par 40, à ce que le dessin soit légèrement plus petit, parce que en fait 30 par 40 c'est la largeur, ils prennent les bords en compte. Bon, ceci dit, quand on veut le mettre dans un cadre pour le maintenir, c'est mieux je pense d'avoir d'avoir des bords. Voilà, et ici on a toute la référence des couleurs. Donc je pense qu'il sera très sympa aussi une fois terminé celui-ci. Donc on l'a deux fois la référence des couleurs. Voilà. Donc je vous ferai une petite démonstration de tout ça dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai sur ce marque-page-là. En plus ça tombe bien, je m'en vais ce week-end et du coup je suis contente parce que... je vais, je pense, emmener un petit marque-page. Je ne sais pas lequel encore avec moi. Un petit marque-page avec moi. Et comme ça, je vais pouvoir commencer. Donc, Harry Potter, je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit, 5,73 $. Donc, pareil, hein, le petit pot, la petite gomme, le petit stylet. Et là, ce sont des perles rondes. Voilà. Donc, il va falloir que je m'amuse à répertorier... Donc sur les sachets, on a les numéros, les références. Donc là, par exemple, je vois le numéro 20. Parce que si je vous montrais, ce serait plus simple. Voilà, on a la référence ici, donc le 15, qui correspond par ici au W que je vais retrouver sur ma toile. Et donc c'est un bleu marine très foncé. Voilà, donc je vais m'amuser à mettre ça dans mes petits pots. Donc je vous rappelle le site One Day Saving. Je vous mets le lien du site en barre de description. Je vous mets les références de chaque produit en barre de restriction. Ah si, j'allais oublier, et il y a ça. J'ai pris aussi, puisque j'avais le droit à 15 $, je me suis dit, bah autant aller jusqu'aux 15 $. Donc, je me suis pris des petites pinces comme ceci. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que lorsque vous venez décoller... Alors, je ne sais pas hein, si c'est pour le DP. Moi, j'ai compris ça, en fait. Hein. Décoller votre feuille plastique, vous mettez vos perles au fur et à mesure. Et donc, il y a un moment donné, votre feuille plastique, elle ne colle plus sur les perles. On est d'accord ? Donc, mais il faut quand même que ça reste bien fermé pour pas que la poussière pénètre. Et donc, ici, c'est pour venir tenir votre feuille de protection. Moi, j'ai compris ça comme ça. Et de toute façon, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Voilà. Et puis, en même temps, je me suis dit que c'est des petites pinces qui me resserviront dans la couture. Voilà. Donc, et ces petites pinces, elles étaient à 2,69 $. Voilà. Donc, je vous disais, je mets le lien du site dans la barre de description. Je vous mets le lien de chaque article. Comme ça, vous pourrez voir les prix. Parce que je ne sais pas si ça peut bouger d'ici 2-3 jours. Je ne sais pas si les prix sur le site bougent. Et je vous mets un lien, ils m'ont proposé un lien de réduction, donc j'ai accepté pour vous, bien évidemment. Donc, moins 5%, et le code, je leur ai demandé de mettre Créalo, parce que on peut le citer en vidéo, que quand c'est un code à rallonge, c'est... c'est pas faisable, quoi, quand il faut dire les numéros, les lettres, les numéros, et puis ils sont...
vraiment à rallonge. Donc du coup, voilà, le code CREALO tout attaché. Et vous aurez moins 5%. Voilà, moi je vous fais des bisous. Et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo. Alors déjà Art Journal, mais Diamond Painting pour vous montrer, pour vous faire la démonstration, puisque c'est le but de mon partenariat. Voilà, je vous souhaite aussi un bon week-end. Bisous, à bientôt.